putain, comment là je suis con, moi un peu les merdes. Il est terrible celui-là. Bon, aujourd'hui c'est le 25 décembre, donc joyeux Noël les mecs. On est à New York. J'ai checké, il y a un petit barbeur, le premier barbeur de New York, je sais plus la date, je vous la mettrai là, ça doit être 1913 ou un truc comme ça. Non, c'est pas possible, ça doit être avant. Enfin bref, on y va. Bon, comme c'est Noël, on va essayer de voir si c'est ouvert. Et let's go, on prend le bus. Y'a personne dans ces bus, hein. La peupeuf, hein, ouais. Bon, le barbier est fermé, on verra demain. C'est là, hein, sinon. C'est pas le même. J'ai vérifié, c'est bien 1913. Donc c'est l'un des derniers... Enfin, c'est l'un des plus anciens qui est encore ouvert. On visite le musée de l'air et l'espace, l'air, la marine, il y a tout. À New York, on est sur le porte-avions là, je crois que c'est l'USS Intrépide. Après, on peut visiter un sous-marin. Là, il y a plein d'avions sur le pont, c'est stylé. Je crois que c'est sur ce pont là, dans le film Je suis une légende, que Will Smith il tape des balles de golf. Ça doit être terrible, juste là-bas. Golf. Au calme. Je sais pas de quelle année il est. Ça doit être la Seconde Guerre mondiale. Bon, de retour au barbier. On va voir si c'est possible de se faire une petite session cheveux et barbe. Donc voilà, c'est parti. C'est Paul Moll et j'ai vérifié, c'est bien 1913. So that's gonna be zero. Everywhere. Okay. No, it's everywhere. I don't know how to say it in like degradé. What? I don't know how to say it in. No, you say start with the zero. Yes. And after. So after zero. No, I know. It's gonna be faded. Yeah, more. Yeah. Faded. Yeah, refresh only, just to get the same shape. Mm-hmm. But not short. Not too short, or just a little. Okay. Yes.
the grater? Yes, please. Is that sure enough? Is that clean? Yes, that good? Perfect, yeah. Okay, one second. C'est marrant de comparer les différents styles. Il a fait au rasoir électrique, c'est ça, dessous. On sait là il va le faire. Sur la ligne des joues. Mais chaude. D'habitude elle est froide, mais c'est chaud. C'était dans quoi? Il a sorti d'où? Parce que c'est chaud, c'est vraiment. Enfin, d'habitude ils la mettent, tu sais, c'est froid. Ils te mettent la serviette chaude et après ils mettent la crème qui est froide. Et là, tout est directement chaud. C'est un hot towel, ok? Let me know. Ok? Yes. Sugar? No sugar. Thank you.
C'était comment? C'était comment la machine? Vibrador. Oh, man. Clean, yeah? Yeah. Bonuti. Bonuti. Habe? No. Ah. Si, per ver. Ok. Non è pregura. Io intendo. Come è? Ok. Never seen that before? No, first time. Wow. Something new for you. Yes. So only $10 and only Bon, on sort juste du barbier. Encore une expérience de dingue. C'était Paul Moll le nom. C'est l'un des plus vieux de New York, qui est encore ouvert bien sûr, ouvert en 1913. Et c'est toujours trop bien de comparer les différents styles entre ce que j'ai pu faire en France, au Portugal, en Irlande. Et puis là il a mon coiffure classique. Par contre toujours super puissante les tondeuses voile. C'est un truc de dingue là, il a fait un dégradé, il avait 20 000 sabots, il a utilisé 20 000 trucs. Enfin, le dégradé est super précis. En bas, et pour le coup, il a fait la ligne avec... je m'attendais à ce qu'il fasse au rasoir, et en fait, enfin au rasoir manuel. En fait, il a fait au rasoir électrique. Et franchement, pas mal aussi. Enfin voilà, ça change, pas mal aussi. Après, pour bien finir la ligne, toutes les lignes là, au niveau du joue, au niveau des lèvres et tout ça. Là, par contre, il a fait... j'ai pas vu si c'était une chavette ou si c'était au coupe-chou. Je crois que c'était à la chavette. Et après comme d'hab, voilà, petite serviette chaude, la mousse et tout, enfin voilà, trop bien.
Il y avait un peu le même, je sais pas si vous avez vu la vidéo, en Irlande, il y a un peu le même style où il m'avait fait un tonic et un massage de la tête. Là, avec une machine vibrante, il m'a fait un massage du visage. Toujours un petit service en plus, bien sympa. Donc voilà, si vous allez sur New York, je pense qu'il y a plein de barbeurs. Mais celui-là, je vous le conseille, juste pour l'histoire et puis passer un bon moment. Après, comme d'hab, bien cher. Là, je crois que c'était 80$. Avec les taxes, ça faisait 84, quelque chose comme ça. Et puis là, on se balade dans le petit Manhattan. Je vous mettrai d'autres images de la ville, de tout ce que j'ai pu prendre. Et là, voilà, on est à Central Park. Puis devant, il y a les immeubles. Quoi. C'est bien stylé. Demain, retour en France. 1000 heures d'avion, on fait une escale à... On va où? À Boston? Escale à Boston, on repart de Boston, escale à Paris, et Paris, et puis direct Bordeaux. Bon allez, je vous laisse avec quelques petites images de New York. Ciao les mecs.